année de sortie, je me suis caché au sud de l'île parce que il y a très peu de PAX dans le coin là. Il y a une patrouille qui se balade entre le phare et le camp Oui, Maxwell souvent. affirmatif, on l'a vu avec notre tank. Faites attention à ça et c'est ça qu'ils ont quasiment plus de communication radio. Vous avez coupé toutes les coms. Oui. Donc je pense que si un des camps se fait attaquer et qu'il commence à y avoir des tirs, ils vont venir direct. Hein. D'accord. Le mortier ici, il est là pour être joli ou... Et j'ai réussi à récupérer ça avant de partir du camp Maxwell. J'étais visuel posté là-bas. Bénest. Azimut. Okay, 90. Ce qu'on peut faire, c'est rester un... Ah oui, je vois une tête là. Excusez-moi de vous couper, monsieur. Mais... Ah, deuxième qui sort. Là, le rocher là. Là, je pense que c'est celle qui passe souvent, je la vois, ils m'ont jamais vu, mais... Ah, vous en avez de la chance, monsieur. C'est quand même une maison, quoi. Ah, bon, ça, c'est une maison de pêcheur, c'est celle de mon père, donc... Après, qui c'est qui va venir ici, quoi, j'ai envie de vous dire. Enfin, bref, tout ça pour dire, j'ai une longue portée, si vous voulez, je peux vous enfiler une et on garde contact. Comme ça, je peux affirmatif, vous... ouais, c'est vous, très bien. Je peux vous donner un soutien... soutien par le mortier. Parfait, ce serait génial. Vous donnez les coordonnées GPS. Il y a un terminal. Okay, c'est plus facile. Je crois que j'ai mis le radio dans le véhicule. Pour le canal, ce sera 30 pour gérer, puisque nous sommes déjà en contact avec un hélicoptère. Je reste sur la 30 et j'attends vos ordres. Troisième contact qui sort. L'hélico sera géré par le tank et la radio courte pour avec monsieur, ce sera avec moi. Ok. Parce que les radios ne sont pas, malheureusement pas compatibles. Chef, il a suggéré une bonne idée, le monsieur là, on pourrait peut-être envoyer notre sniper dans le phare. Ouais, mais pour cela, il faudra le couvrir, donc on va d'abord monter avec le tank et on va le suivre à pied et à patte derrière. Le sniper nous suit, donc allez go. Ah, il y a un joli, une belle arme derrière. Ok, donc pour Escouade, vous voyez le phare qui est au nord-est ? On va suivre le tank à pied jusqu'au niveau du phare pour placer notre sniper. Allez, avancez à votre rythme, le char. Ok, bien reçu. Le buteur vise vers nous, donc faites attention. Oh putain. Mais ils sont planquez-vous pas deux derrière le bâtiment. Prends ton temps, mon lapin, hein, surtout. Hein. N'oublie pas d'appuyer sur la touche miracle pour bien viser. Envoyez. Pas volonté, hein. Tire du 5 mm ou quoi? Tu peux changer ton calibre. Ah, oui, il prend feu. Ah, je pense qu'il est en train de prendre feu là, je vais le terminer. Moi j'ai l'impression qu'il y en a deux. Tu recharges manuellement. Oh, c'est bizarre. Il y a un deuxième ? J'ai l'impression qu'il y en a deux. Rien, c'est deuxième. De secours. C'est très bizarre. Là, ça suffit, vas-y, arrête, c'est bon. Ok, on continue la progression. Ah, on caisse bien quand même, hein. Ouais, mais l'infanterie a dû sortir. Ouais, fais attention par contre. Gardez un œil quand même dans le creux de la colline. Sap. Écho, tiens. Ok, je les vois visuels à droite du tank. À visu. Traité, il y en a un deuxième. Traité. Il y a un troisième qui rentre. Troisième. Ah, il y en a encore, blessé. Ah, donc tu veux prendre ton petit calibre. C'est bon, traité. Deuxième. Il y a un autre. Bah là, ça fait 4 du coup, chef, mais. C'est bon. Oula. Il y en a encore un autre. Il y en a un quatrième. C'est bon.
l'impression qu'il y en a encore un. Oui, il y en a encore un. Il y en a un qui tire, mais on sait pas où il est. Il est au même endroit, il s'est couché dans les cadavres. Il, là. Il s'est levé. Bon, j'ai eu. Bien joué. T'as toujours contact avec l'hélico? Affirmatif. Ouais, si. Ok, pour les squads, on va avancer vers les maisons qui sont au niveau de l'Azimut 7, avant la forêt, comme ça on va pouvoir avancer jusqu'au l'avant-poste. Du coup, je peux avoir les coordonnées du camp Maxwell, s'il vous plaît? En face de nous, c'est pas le camp Maxwell, tu le sais? Non, le camp qui est en face, là, avec la tour. Ah, avec alors, le camp qui est en face de nous, c'est la ZA Connor, c'est en 029-018. 029-018? Ouais. Ok, est-ce que vous m'entendez, Mortier? 029, combien? 018. Est-ce que vous pouvez faire une frappe de Mortier au 029-018? Environ 4 tirs. Allez, on avance pour traiter ce qu'il y a dans la... Sniper flanc gauche, médecin flanc droit. Ou l'inverse, comme vous voulez. Bien reçu. Impact dans 40 secondes sur le Mirador. Moi la maison là sur la gauche, je couvre. Ah putain, il est parti sur. Ok. Prêt? Ok, clair. Ah! Ok. Belle coordonnée, les gars. Ok Star, tu as fait à volonté. Ok, bien reçu. La fille. Ah, y'a un mec mort là. Si, les obus ça a bien marché, putain. Ouais, non, mais c'était de l'obus pratique. Qualité. Ouais, pratique, ouais, de qualité. Ok, ouais. Sniper, tu peux monter. Attention, y'a une porte ouverte. J'ouvre l'autre porte. C'est toi Plague qui monte. Là on est en train de monter là-haut. Et Plague, t'as pas parlé sur la bonne radio. Non, Clément je veux dire. Oui, c'était moi. Ok, on est sur le toit du bordel. Ça c'est quand même une putain de position hein. Ouais, j'avoue. Pas se mentir. Ah bah du coup on peut checker l'autre truc. Non c'est clear, ils sont morts, c'est bon. Ok. Pour Mortier, on a pris position dans la tour connard. Oh lol, le pauvre. Feu sur l'hélico, feu. Vite tout, feu à volonté. C'est le 14 juillet. Chef, faut qu'on se dépêche, on en aura plus. T'en fais pas, tu en auras encore des packs. Ok, tir effectif pour Mortier. Ça c'est un vrai tireur de mortier. Hein. Ah, c'est surtout qu'il a... il tire en fonction de... Enfin, il a un truc balistique, donc c'est plus simple. Pourquoi j'ai jamais tiré au mortier, chef? Ah bah faut apprendre... Mon major. Mon major, mais n'importe quoi. C'est pas le plus gras des goûts. C'est mon major. En plus c'est le sien quoi. C'est mon major hein, pas celui de quelqu'un d'autre hein. Pas de la fumée chef. Ok Star, fais attention, on monte une colline là sur la gauche. Parce qu'ils vont peut-être se replier vers nous. Bien reçu, hein. Moi je tire sur votre... plus sur votre gauche. En plus sur la droite qui tire. Voilà. Alors on est où par rapport au camp? Bah regarde la fumée. Pas de fumée.
Tu vois pas la fumée noire là qui émane du camp? Non, négatif. Ok, bah c'est en plein milieu, donc c'est tout droit. Ok, nickel. Mais attention parce qu'ils vont probablement se replier. Ah, surtout ils vont commencer à avancer vers le tank, c'est la technique. Ah, c'est pour ça qu'en gros je dis se replier. Donc ouvrez l'œil et le bon. Fais attention à pas utiliser toutes tes munes, hein. Fais à volonté. Ah mais je suis à 700 mètres, quel connard de con. Azimut, azimut. Au niveau du véhicule, en face. Y'a où le flanc gauche, encore un Pax. Il s'approche de vous, par votre flanc gauche. Est-ce que tu peux le traiter ou pas? Il est traverse les arbres, j'essaye. Capitaine, on a perdu l'hélico. En alerte. Quoi? L'hélico s'est planté dans la tour ennemie et tout le camp est en alerte. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils sont débiles. Ils se sont fait défoncer par les douches-cas, on a essayé de prévenir qu'il y avait de l'anti-aérien mais ils ont pas entendu. D'accord, bon bah écoute... Je pensais pas que c'était eux le bombardement en cours. Ok, bon, reprends tout position nouveau en haut qu'ils ont lancé. Et on couvre le sniper, d'accord. Tu le soignes au cas où, etc. Nous on prend le tank. Ok. N'hésite pas à tirer. Comptez pas hésiter, capitaine. Sous le feu. Je suis là, Clément, je suis là. Je crois qu'on a Clément qui est sous le feu. Je reste avec toi. Clément, fumille et dégage au pire. Non, les essuie-glaces marchent, c'est bon. Les essuie-glaces, ils fonctionnent depuis tout à l'heure. Donc les essuie-glaces. Attendez qu'on se mette en position et Star, tu vides tout. Oh là là, tous les contacts, mon gars. Tu veux qu'il n'en reste rien? Allume-moi tout ça là, près de la tour. Ouais, mais je vois surtout le BTR qui nous regarde, moi. Okay, baisse-toi. Attends, BTR? Ouais. Star, feu à volonté. Bon, il va tirer sous BTR au moins. Ok, pas maintenant. Je vais t'abonner. Ah, mais il faut qu'il tire sur le BTR. Allumez le BTR, on est isolé. Star, faut que tu tires le BTR. Tirez-lui, allez, go, go. Continue, sa tourelle n'est pas morte. Ça y est! Non, mais c'est quoi ces chargeurs de 5 balles, sans déconner? Y'a des packs 145. Oh, lui il a quelle distance? Très peu pour nos unités au sol. Tout va bien. Ok, reçu. A l'entrée y'a un pack, faites attention. Vas-y, me donne, hein. Il est à 500 mètres ce connard, mais ça, je comprends pas, ça le touche, mais ça lui fait rien en fait. Ok, Star, on va profiter de la smoke pour avancer. Bon, j'en voyais pas d'autres, c'était le dernier que je voyais dans sur la tour, sur une batteuse. On a plus de visu pour le moment. Reçu, mettez-vous en stand-by ou non, j'ai mieux avancé vers la zone. Ok, on pourrait rejoindre la route. Nous, on va attaquer par le sud-est. On prend le véhicule, non? Bah oui. Ah bah oui, on va prendre l'auto. Parce qu'ils savent qu'on arrive. Éclairer les tours et. Pas trop raide là? Ça passe. Passer par l'entrée. On va allumer les phares pour plus de sécurité. Mais reçu, on se met position en haut de la tour et on clear tous les bâtiments. Reçu. Ah. Oui. Ok, allez go. De toute façon j'ouvre la porte, ah bah. Ah. À quoi? On va pousser dans la porte. Ah pardon. Personne. Hangar blanc à côté. Évidemment, ça s'ouvre pas. Oh de la merde. Non on peut pas monter rentrer là-dedans je crois. Pas dans celui-ci, je pense. Pas dans celui-ci. Non, on a pas les codes. J'ai idée de mettre des digicodes. Et le. Allez check le bâtiment blanc pendant que je check les petites maisonnettes.
il est clair, hein, parce que je pense qu'il tout à l'heure j'en ai buté, ils sont peut-être là. Ah. Oh, des mecs, ça se trouve, ils sont sortis du camp. Oh, les rats qui tirent sur les alliés. Je vois un touriste au loin qui nous regarde aux jumelles. Laisse-le tranquille, c'est notre contact. Il a tiré dessus déjà. Oh mon dieu! Ah! Il s'est passé quelque chose de bizarre dans son regard. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un camion à l'intérieur, chef. Bah, les portes sont bien trop petites pour qu'il rentre. Ouais, mais tu sais, hein. Ok, c'est clair, les gens sont forts. QB, c'est QB. Je tombe! Adieu! Hein? Non, t'es pas vraiment tombé. Si. On a un homme à terre. C'est toi le médecin. Je peux pas, chef. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. La tour est clear. Reçu, il est mort ou... Non, il souffre, je descends, je me dépêche. Ah, mettez-lui un garrot, quoi, le temps que j'arrive. Le sort du mur, surtout. Bah, ah, mais il est mort. Il est mort. Ah, mais là... Bah non, je l'entends crier. Ah, je l'entends crier, mais j'arrive pas... J'ai pas d'interaction avec lui. Ah, mais c'est normal, ça. Bon. Respire. Ah non, arrête de crier, j'ai rien fait encore. Ah, le mec, il crie, je l'ai même pas encore touché. Allez. Ok, nouvel ordre, messieurs. Nous avons un Apache avec nous qui va nous aider à prendre l'aéroport. Génial, ça. Et tu manges des chips quand tu meurs, toi. Vous m'avez tous entendu? Oui, chef. C'est juste qu'il mange des chips pendant que je le soigne, donc ça me perturbe. Ouais. J'ai grande faim. Écoute, okay. Manger, c'est soigner aussi. Et là, je dirais à l'hélico de s'approcher de nous ou il reste en stand-by? Bah, que l'hélico clear la route sur laquelle je viens de dessiner là, jusqu'à la tour électrique. Clément est tiré d'affaire, capitaine. Nickel, il montera dans le tank. Ah, bah, vaut mieux ce qu'il va boiter pendant 3 plombs. Ils se sont repliés. Ouais, mais on ne sait jamais. Hein. Ah, non, mais. Et bravo pour vos tirs de mortier, hein, vous risquez au-dessus de nous, hein. Nous et vous nous dites s'il y a du monde devant. C'est la classe. Bah ouais. Vous avez un beau chapeau. Chapeau de paille. Je suis jaloux. Quel squad leader retour de mon grand-père aussi. Il vous a tout filé. Ouais. Négatif, nous on est tous dans faudra le bitter. Faudra te caler Clément, hein, parce que tu vas pas pouvoir courir comme à la fin tout de suite. Le Marshall. Ah oh, merde. Bah ouais. Bah, le temps qu'on arrive, ça va être bon. Ouf, j'ai des doutes. Oh, j'ai le temps de fumer. C'est quoi ces tirs là? Je sais pas. C'est l'Apache. L'Apache. Ah ouais. Bah, il se gave l'Apache. Hein. C'est parti. Camion, raté. Oh, bel impact. Il y a des camions qui bougent. Venez vous prendre un mortier, les gars. Mon dieu de bon dieu de bon dieu. C'est quoi ce bordel? Ouais, faites gaffe, vous avez pris un mortier. On bouge, c'est peut-être on bouge. Les véhicules en mouvement à l'intérieur de la ville. Enemy fire! Man, 600 meters west. Wow. PMP sur le tarmac. Ah, ils ont bougé les camions là. On a des mortiers qui ont fait feu sur nous, chef. Affirmatif, on va tirer dessus. Ah, mais position. Bon, bah où bon, on les rejoint, go. C'est bon, ils ont tous les deux été traités. On se prend des tirs d'infanterie là. Wow. Venez sur nous en 334 vers le petit bunker. Ils ont tapé au mortier ici, hein. Oh, le snipe, tu peux te mettre à l'étage là, ça va être pas mal. J'arrive. Maison, droite, boum. Tiens.
Il y a la zone éclair. Il y a un cadavre. La zone... l'hélico qui les a niqués. Oh putain, mais t'es ça, ça fait trois fois que j'ouvre une porte, il y a plein de gens derrière. Ah, en bas, il y a un Pax là dans un gaz. Il y a aussi des douches que... Ah pardon. Excuse-moi. Tu peux sniper défoncer le mec au nid dans le gaz hein. Le sniper... Ah putain, il est derrière, ok. On fait un feu ensemble. Ouais, fini. Voilà. Ça y est, c'est fait. Putain, ta douille, elle est tombée sur mes pieds. Quoi. Quel sniper? Il y a un avion de chasse, là. Faudrait pas le défoncer. On a plus rien pour le défoncer. Il y a trois avions de chasse, là. Encore des siens? Encore une munition, ouais. Y'a pas, y'a des packs là au sol à gauche de, à côté des véhicules en feu. Hein. C'est bon. Non, c'est pas bon, non. C'est pas bon du tout, je me suis dit. Tu vas finir en gruyère, toi, hein. C'en est d'autres qui tiraient. Il y en a d'autres, à gauche. Au niveau du silo, un peu camouflage phare, là, il y avait du monde. 368 mètres, ok. À droite, Ok, pas de problème. 368, je te fais ça tout de suite. Ya, allez, pneu d'agent, ça vous va bien. 200, hop, 368. Bon, la tâche arrive, attention les enfants. Là, c'est quoi ça? Un véhicule qui bouge. Ça. Au niveau du phare, ouais. Là, au niveau du phare. Bisous. Abonnez-moi ça, les gens. Ça, il y a un phare. Et tu sais, le bateau. Au niveau de l'hélicoptère, au niveau de l'hélicoptère, plein ouest. Ils sont sortis. Putain. Il a sauté, là. Excellent. Et j'avoue. J'ai éclaté, putain. Attention au backblast. Oh putain, on s'est pris une balle. Attention, on s'est pris une... Il est toujours un mec vivant, Non, t'es pas du Razmot. Boum. Ah. C'est pas gentil ça, mais... Non, t'as rien fait. J'avoue. Ah, mais je crois que le sniper est mort en fait. Il est où? Il est tombé, je crois. Encore? Non. Ah, t'es con. Il est pas mort, il est blessé. Oh non. Il est en bas? Ah, oh, je l'entends, oui, je vais le chercher. Clément, t'es une burne. Hein. Oh, je peux pas. Les hachures que tu m'as filé, c'est de la merde. Non, la mais cuine, il est là. Y'a qu'une hachure, normalement. Putain, je sais pas, j'en ai plein dans mon sac et. Clément, pas que t'es tu sniper, veux. Quoi, ça. Non, faut que je les mette manuellement. Bah, lui vomis pas dessus non plus. Le mec il meurt, il mange des chips. Oh, bel impact, je suis content. Ça claque encore, hein. Ah, c'est sur notre gauche ça. C'est proche là, c'est où? Y'a un tir pas loin là. Quelqu'un me tire dessus là derrière le bâtiment. Oui, c'est juste à côté du bâtiment. Où ça? Je sais pas, il a tiré du côté nord-est. Tête extérieure du camp. Putain, fais pas le héros Clément, putain. J'ai tous les avoir. Je sors du camp côté nord, attention. Quelqu'un a checké la tour en extérieur? Négative. Ah pas, je pourrais qu'il pousse le scamois de ravitailler l'hélico. Je ne crois pas. Ok, pour mon équipe, on va vers la tour 36. Reçu. Il est pas mort, lui. Je suis dans le bâtiment blanc. Putain, y'a... De mémoire, plus en avant de
il y avait un BMP. Je sais pas s'il est en fonctionnement. Et bien, la tourelle elle bouge, hein. Ouais, elle tourne, il cherche les ennemis. Il faut un lance-roquette, vous en avez un ou pas? J'ai un lance-roquette, un seul. Ça fait toi plaisir. Il y a les deux, hein. La grenade à ricoche s'en bat le steak. Vas-y. Je me recule. Tu es à côté là. What the fuck? Qu'est-ce que ça a fait là? Ah mais non, ça a tiré en l'air, putain. Il fallait un laser. Je suis con. Mais il a tiré en l'air, hein? Ouais, elle est partie à côté. Il a tourné la tourelle au max, regarde. Ouais, il peut pas tourner par là. Ouais, heureusement, on serait dans la merde. Peut-être en tirant dans le cockpit. La tourelle de l'hélico est en train de te viser, le mec qui tire là. Ouais, mais il peut pas faire plus parce qu'on est derrière. Putain, j'ai réfléchi à recharger mon arme. J'ai plus de breu, moi. Mais non, mais tire pas la tourelle. Si, justement. Comme ça, au moins, il est immobile. Non, fais pas ça, Clément! Putain, fais pas le con, il va t'avoiner direct! Croyez en moi! Mais non, mais au moins prends-le par la droite, il t'a pas vu par la droite! Oh là là! Bah, il va se faire péter! Ouais, normalement, je les ai butés avec ma MHE! Il me regarde! Par la droite! Continue d'avoiner à gauche, on va le prendre de l'autre c'est côté! C'est bon, ils sont morts! Oh putain, je te jure! Je vais péter les roues, moi! Attention que ça explose pas! Ouais. Faites attention, il y a un putain de hélico. Hélico sur la gauche de là où ils étaient. Ouais, attention, faut shooter le pilote, sinon il va tuer tout le monde. Mais c'est quoi cet hélico? Approchez par l'arrière de l'hélicoptère. C'est bon. C'est qui s'est fait enculer? Bah c'est les ennemis qui se sont fait enculer. Il t'a tiré avec quoi? Bah il a pris l'hélico. Il a décollé l'hélicoptère de transport. Ah ça c'est deux, le transport. Arrête-toi, véhicule arrête-toi. C'est bon, pack traité.